Bon, mais après, j'ai quand même moins de 3 là. Puis je roule sa lumière, moi. Dès qu'il me klaxonne, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a encore hein, que j'ai pas les lumières, j'avais juste les lumières, les LED là. Ouais, ouais, on est dans le même sens, c'est pas comme si il pouvait arriver du contre-sens. Mais la voiture quand elle est derrière, ben, il n'y a pas d'éclairage. Vas-y, t'as les lumières, non? Non, je n'ai rien, que les LED devant. Ah ouais, ça fait des ombres. Et puis le klaxon, j'ai dit ça y est, j'ai encore quelque chose. Et puis, putain, je vois là, aussitôt j'ai compris, c'était ça quoi. Qu'est-ce que tu me disais juste avant là, quand on a en train de tourner, de prendre la 89, j'ai pas entendu. Il y a Pascal de passer la lame là-bas à la trémie. Ouais, mais moi je. Oui, oui, mais après. Moi je sais pas. Ouais, que ça on casse tout, que t'as appelé Francis. Oui, oui, parce que j'ai appelé Francis pour mon problème, et après je l'ai appelé là-bas. Si c'est pas un GSM, c'est un grand Tequila. Alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Mais je les appelle. Bon, mais chaque fois, il nous dit ça, et puis chaque fois, il passe un petit coup, et puis voilà. Bon, il ne peut pas être là tout chargé, et en faire un tunnel. Ah bah tantôt, on va déjà passer tout doucement là-bas, je vois des connaissances. Ouais, ouais. Christian devant, tu te mets derrière à distance respectable et tu n'auras pas de problème. Dire. Tu peux même conduire les yeux fermés. Quoi. Oh, mais je vais t'obtenir.
Vincent, je dis, Jean-Noël, moi j'étais avec David, on a parlé, on était que tous les trois. Il lui a dit, Jean-Noël lui a dit, de toute façon, je vais vendre les deux camions parce que il voulait plus les faire tourner. Il me dit, ça me fera du fric, j'arrêterai de perdre de l'argent sur les camions, et puis, puis voilà, et puis il me dit, ça me servira pour ma retraite. Oui, non, mais voilà, tout à fait. Et puis, comme ça. J'ai une Corinne, si tu veux, donc le soir, on rentrait de Bordeaux dans la bagnole. Moi, j'avais laissé mon camion sur le pont Bordeaux. Et, je sais pas, elle me dit, qu'est-ce qu'on prend pas. Les chauffeurs, quand ils débossent ce soir, ils sont fatigués. Alors, elle était derrière, c'est parti. J'ai dit, mais Corinne, ça reste normal, ça reste logique. Ah, mais quand même. Et si moi, tous les soirs, je débosse, Corinne, c'est fatigué. Tous les matins, c'est 3h du matin. C'est 500 bandes par jour, 450, 550 bandes par jour. Voilà, et bien le soir, je suis content de débosser, et oui, je suis fatigué. Il dit, ouais, mais moi aussi, et tout. Et bien, je dis, ouais. Ah, je dis, tu vois, toi, t'es fatigué en étant au bureau, en bossant à 7h30, 8h le matin. Voilà, où il faut que tu sois concentré sur tes chiffres, que tu calcules bien, que tu ne calcules pas, et tout. Je dis, c'est normal. Mais j'ai dit, au volant d'un camion, pour ne plus dans le camion le matin à 4h ou 5h, et tabasser toute la journée, et j'ai notamment comme j'ai mis galé le fond au vent, c'est vous, là. Voilà, toi. Ah mais c'est clair, et puis même elle ne comprend pas. Moi je lui ai dit, si tu te rends compte, je fais presque des fois 700 km par jour, dans la journée 700 bandes, ce qui est énorme. Voilà, ça lui parlait pas. Hein. Ah oui, non mais en régional c'est énorme quoi, avec la manutention et tout quoi, parfois le confinement, voilà quoi. Ah non mais ça lui parle pas, hein, je lui en ai parlé, mais au bout de 2-3 minutes, je me suis aperçu que j'ai pas l'impression qu'on parlait de la même chose quoi. Comme je dis, moi, elle voit pas le boulot, elle voit pas ce que c'est. Ah non, pas du tout, puisque moi, elle m'a dit, j'en ai jamais fait, donc... Mais pour elle, c'est pas plus difficile qu'autre chose, c'est pareil. Ouais, alors, c'est vrai, si on a tout